Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder le solo du morceau « Puisque tu pars » version live 2002 de Jean-Jacques Goldman. La version originale est sortie en 1987 sur l'album « Entre gris clair et gris foncé ». Aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement au solo du live 2002 qui est le dernier live de Goldman. Et j'en profite pour faire une spéciale dédicace à Dylan qui m'a fait la commande de ce tuto. Je vais donc vous expliquer tous les plans, il y aura deux tutos, et vous pourrez retrouver le premier solo gratuitement en partition sur mon site bassguitarandrock'n'roll.com. Donc à vos guitares électriques, c'est parti! Alors en tout, il y a 6 solos, soit 6 grilles. Les grilles sont très courtes, vous allez voir. Aujourd'hui, on va essayer de regarder les 3 premières. Donc ce qui est important toujours, c'est de rapporter le solo à la tonalité. Donc là, au niveau de la grille, en fait, on va être en tonalité de Si bémol, d'accord? Donc là, je ne vais pas vous faire apparaître les accords à l'écran. Si bémol, c'est un accord comme un Fa à la 6e case, d'accord? Deuxième mesure, on aura Sol mineur. Donc l'accord mineur, en fait, c'est comme un Fa. Et pour qu'il soit mineur, en fait, on retire le majeur, donc ça me donne une position mineure. Et on a un sol à la 3e case, donc on a un sol mineur, comme ceci, à la 3e case. Ensuite, on va avoir un mi bémol. Donc là, je vais faire un accord majeur, comme ceci, à la 6e case, avec, comme basse, un mi bémol, 6e case, corde de la. D'accord ? Voilà, c'est un accord majeur. Certains le font de tête comme ceci. Hein, donc mi bémol sur la 3e mesure. Et sur la 4e mesure, on aura 2 accords. En fait, c'est une cadence, 1, 2, 5, 1. On va avoir un Do mineur à la 3e case. Donc j'ai ma fondamentale de Do, 3e case, corde de La. Je fais un accord mineur en barré. Et sur le 3e et 4e temps de cette 4e mesure, on va faire un Fa. D'accord ? Donc Si bémol majeur, première mesure. Sol mineur, mesure suivante. Troisième mesure, Mi bémol. Et quatrième mesure, deux accords, Do mineur et Fa. Voici donc le premier solo qui est un contre-chant. En fait, c'est une réponse aux dernières paroles de Jean-Jacques Goldman. On a donc un Si bémol à la 11e case sur la corde de Si. Ici, d'accord? On est en tonalité de Si bémol majeur, donc on va utiliser la gamme de Si bémol majeur pentatonique. La gamme de Si bémol majeur pentatonique, si vous avez déjà suivi les cours sur la pentatonique avec moi, en fait j'ai un Si bémol ici, si on descend de 3 cases, on a son relatif mineur. Donc la gamme de Si bémol majeur pentatonique reprend les mêmes positions que la gamme de Sol mineur pentatonique. On va donc commencer à faire un bend à la 13e case sur la corde de Si pour faire entendre la tierce majeure. Et cette note-là, en fait, va commencer sur le E du premier temps. Donc on va faire un bend. On va laisser ce bend-là sonner un petit moment. On va le redescendre, le lier avec le premier doigt, à la 11e case avec le Si bémol justement. C'est quelque chose de très important à la guitare électrique.
Et derrière, on va rattaquer la sixte majeure avec le deuxième doigt à la 12e case sur la corde de sol et ensuite refaire deux fois le si bémol. Donc voici le premier plan. D'accord, le bend. Je le redescends, je le lis au si bémol, la 11e case, et derrière 12, 11, 11. Ça, c'est sur le si bémol. Ensuite, on passe sur le sol mineur, même début de phrase, quasiment sur le E du premier temps, le bend. Ce bend-là va durer un petit peu moins longtemps. Je le lis toujours à la 11e case. La 12e à nouveau. 11, 11 à nouveau. Le si bémol. Et derrière, 13, 11. Donc la deuxième phrase va donner. Première phrase. Deuxième phrase. D'accord. Troisième phrase, un grand classique du genre de la pentatonique majeure. Je refais mon bend à la 13e case. Et avec le petit doigt, je vais aller chercher la 13e case sur la corde de mi aigu. En fait, c'est la quinte. Avec le bend, je fais entendre la tierce majeure de si bémol. Et avec le petit doigt, je fais entendre sa quinte. Donc, je vais descendre le bend pour le rattaquer. Ok ? Et là, je vais le rattaquer avec le bend déjà en l'air. Pour le redescendre. Et j'attaque 11. Là, on arrive sur la dernière mesure. La 11e case, je continue à la faire sonner. Et derrière, je vais faire une glissade avec le troisième doigt de 13 à 15 sur la corde de si. Pour faire entendre la tierce majeure, celle qu'on entendait avec le bend. Et je vais finir avec le premier doigt sur la quinte en l'attaquant deux fois à la 13e case, corde demi-aiguë. Donc je refais ce dernier plan. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais je rattaque le 11. 11, je glisse de 13 à 15. Et 13-13 sur la corde demi-aiguë. Voici donc les plans du premier solo. Passons maintenant au deuxième solo. Sur le premier temps, on va refaire notre bend à la 13e case. Je rappelle qu'à la 11e case, on a le si bémol, et en faisant un bend ici à la 13e case, on fait entendre la tierce majeure, la tierce de si bémol. Je fais donc le bend, je le redescends très rapidement, et je vais prendre avec le premier doigt la 10e case de la corde de sol. J'attaque 10, très rapidement je rattaque 10 pour faire un hammer de 10 à 12. Ensuite, avec le premier doigt, je vais chercher si bémol, 11e case, corde de si. J'attaque 13 avec le troisième doigt et je vous le donne dans le mille, on refait un bend. D'accord ? Donc la phrase donne très lentement, bend en 13, je redescends, 10, 10, 12, 11. D'accord ? Ce bend-là va durer assez longtemps. Et sur la deuxième double croche du quatrième temps de cette première mesure, je le rattaque en l'air, je le descends, je le lis à la 11e case, mon premier doigt, et ensuite je vais chercher avec mon troisième doigt la 14e case, corde 2, sol. D'accord ? Et ensuite je rattaque si bémol. Et cette 11e case, en fait, on va l'attaquer deux fois. Donc voici le premier plan complet du deuxième solo. Ok, là on est sur la mesure du sol mineur, la deuxième mesure du deuxième solo. Ensuite on va faire 10, 11, 13 sur la corde de si. Je le fais avec les doigts 1, 2 et 3. Et ensuite je vais rattaquer 13 et faire une petite accélération pour faire 13, 10, 11, 13, 13 corde de si et 10, 11, 13 sur la corde de mi. Donc le plan me donne corde de si. Et corde demi. D'accord ? Ensuite, je vais rattaquer 13 très rapidement pour atteindre 15. D'accord ?
Donc j'ai glissé très rapidement de 13 à 15 avec le troisième doigt. Je rate à 15 et en fait mon premier doigt reste à la 13e case pour faire un pulling off. Donc avec le troisième doigt, j'ai glissé de 13 à 15. Je place mon premier doigt, je rate à 15 et je fais un pulling off. Ensuite, avec le majeur, je vais chercher la 15e case, corde de sol. Et je rattaque 15 cordes de mi deux fois. Donc le plan complet me donne... Encore une fois. Ok. Ensuite, on va avoir une descente 13-13 avec le premier doigt petite corde. Corde de si 16-15. Et ensuite, avec le premier doigt, j'attaque 13 cordes de si, je fais un hammer avec le troisième doigt, 13-15. Une fois que j'ai fait le hammer 13-15, je rattaque 15 pour faire un bend d'un demi-ton. Donc 13-15 et bend d'un demi-ton. Je vais rattaquer cette note-là en l'air, la descendre, faire une liaison avec la 13e case, comme on a déjà travaillé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire l'effet du bend, le descendre et faire un pulling off avec le premier doigt. Et derrière, 15 avec le troisième doigt, corde de sol, et 13 sur la corde de si. Je reprends à partir de la dernière phrase qu'on a vue. Et là, on vient de voir le deuxième solo. Donc je vous rejoue ce deuxième solo très tranquillement, plan par plan. Encore une fois, très lentement. Voici maintenant le dernier solo du jour. On va démarrer avec une petite glissade de 13 à 15 très rapide sur la corde de si. D'accord ? J'attaque cette note-là en fait sur la deuxième double croche du premier temps. Ok ? Et avec le majeur. Sur le temps suivant, je rattaque 15. Ensuite, je vais me remettre à faire un bend à la 13e case sur la corde de si. Et là, je vais monter le bend, je vais le redescendre et je vais le lier, comme tout à l'heure, à la 11e case. D'accord ? Donc la phrase, là, me donne... Ok ? Là, il va y avoir une accélération. On va faire 13-11, toujours sur la corde de si, en faisant un pulling off. J'attaque 12 avec le majeur corde de sol et je rattaque 13-11 comme à l'instant. 13-11, 12, 13-11. Ensuite, on va se décaler avec le troisième doigt à la 12e case sur la corde de sol. Ensuite, je vais faire 12-10 pulling off sur la corde de sol. 12 sur la corde de ré et 10-10 sur la corde de sol. Donc ce dernier plan me donne... 12, 12, 10, 12, 10, 10, avec la première accélération qu'on a vue juste précédemment. D'accord ? 13, 11, 12, 13, 11, 12, 12, 10, 12, 10, 10. Début du troisième solo. Ok. On est donc sur le troisième temps de la deuxième mesure. Je fais une glissade très rapide sur la corde de ré de 10 à 12. En dessous, 10-12. 11 avec le majeur. Hein. On est vraiment sur une position de si bémol majeur pentatonique ou bien de sol mineur pentatonique, quatrième position. Une fois que j'ai fait 11 avec le majeur,
je vais faire hammer pulling off 10, 11, 10 sur la corde 2, si. Ce qui me donne. Et ensuite, hammer 10, 12, corde de sol. Et je rattaque 12. Ensuite, je vais faire une montée. Je rattaque 12, corde de sol. Corde de si, 10, 11. Ensuite, 13. Et je glisse à la 15e case et je rattaque 15. Ensuite, je rattaque 15 et tout de suite après, un petit bend d'un demi-ton, comme tout à l'heure. Je vais descendre la note très rapidement, surtout pour la rattaquer. Bend d'un demi-ton, je monte, je descends. Je lis à 13 et comme tout à l'heure, 15-13. 15, corde de sol, 13 en dessous. Ok. Et ensuite, c'est la montée qui va donner 15, 16, 18 cordes de si. Et en dessous, 15, 17, 18. Et le premier temps du quatrième solo sera un bend à la 18e case. D'accord ? Et la suite, ça sera au prochain numéro. Donc voici les derniers plans du troisième solo. Je vous rejoue donc ce troisième solo. Une dernière fois, un petit peu plus lentement. Voilà les amis, alors j'espère que j'ai pas été trop vite, j'ai essayé d'être le plus clair possible. On a donc vu aujourd'hui les trois premiers solos, on verra les trois solos suivants au prochain tuto. Évidemment, pour pouvoir jouer ça, il faut déjà avoir un petit peu de vocabulaire dans les doigts, connaître un petit peu les gammes pentatoniques, voire les gammes majeures, et puis savoir faire des bends et des effets de jeu comme la glissade, le hammer et le pulling off. Donc je vous souhaite bonne musique. Éclatez-vous, il y a vraiment de bonnes choses à capter là-dedans. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.